Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Nouvelle Véville. Vous pouvez voir mes arbres, mes pommiers d'ailleurs, j'ai fait dire mes arbres à pommes, un arbre à pommes est un pommier, donc oui, vous voyez mes pommiers. Et donc maintenant nous allons planter, il me semble qu'il est possible de faire des fermes d'arbres. Je regarde un petit peu, jungle tree, palm tree. Voilà, bah nous allons planter ceci. Il faut que je fasse de l'humus et je vais planter ces arbres-là qu'on voit ici. Et pour ça, ça me fera une petite réserve d'arbres quasi personnelle où aller piocher et taper dans les arbres. En même temps, j'en profite pour regarder un peu autour de la carte si nous n'avons pas déjà, par exemple, du fer en hauteur, parce que vu que j'ai généré la carte complètement aléatoirement, je n'ai pas cherché à avoir une carte particulière, donc du coup je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fer nulle part. Bon, ça c'est le lac, non plus ici, ça c'est du gravier, non plus, gravier, là il y a du cuivre, donc ça c'est bon à savoir, donc on a au moins du cuivre à un endroit. Et donc voilà, donc non, il n'y a rien du tout. C'est pas grave, on va faire 100. Donc on va planter nos arbres. Ah, ça me gêne quand même, c'est... Allez, on va retirer ce buisson. On va récolter les pommes ici. Et je pense que même des poires, je déteste les poires. Voilà, on va couper cet arbre-ci. Et on va faire un peu d'humus ici. Hop, on va faire ça comme ça. Cette taille-là, à peu près. Donc là, c'est bien parce qu'ils peuvent déjà manger mes pommes et mes poires. Ça, c'est très bien. Et donc ça, on peut faire... Alors, est-ce qu'il y a harvest ici? Harvest. Clac! Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. On va déjà planter ces arbres-ci ici, puis ici, et finalement là. Voilà, gros tas d'arbres. Comme ça ira plus vite. Donc, gazer. Donc il ne fonctionne pas avec harvest. Il faut que je le fasse à la main, bon, pourquoi pas. C'est un peu pas très pratique, mais bon. Alors c'était de là. Il me semble que c'est ceci, ces barils-là. Donc on va en construire quelques-uns ici. Ah, il faut un wood detailer. Eh bien, nous allons construire un wood detailer. Wood detailer. Ici, en même temps, on va en profiter pour construire un deuxième carpentry bench et un deuxième wood detailer. Parce que bon, ça va toujours être utile, sûrement beaucoup plus rapidement que prévu. Donc on va en profiter pour couper quelques arbres ici. Voilà. Et donc, il coupe les petits arbres, c'est très pratique. Et on voit que l'intelligence artificielle s'est améliorée, puisque maintenant, ils récupèrent les bûches et ils vont directement les mettre. Ce qui fait que nous aurons beaucoup moins d'épisodes de la Véville de rangement, dans lequel on ne ferait que attendre qu'il range les différents trucs et machins et bidules. Et donc il va bientôt être temps de commencer à faire pousser ces arbres, et dès qu'ils vont pousser, nous allons pouvoir commencer la suite, qui va être de leur faire des armes et de commencer à les taper sur le pif des différents morceaux du jeu. Donc si d'abord on va faire une boulangerie aussi. C'est pas hyper pratique quand même, là où je suis placé pour le début. Autant l'autre V-ville j'avais un grand espace libre comme ici, autant dans cette V-ville là je n'ai pas vraiment de grands espaces libres. Donc on va aller récolter du caillou. Hop, récoltons du caillou. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc
là, il y a du blé, ils font de la farine. Eh bien, nous allons construire une boulangerie ici. Hein, par exemple. Alors, Kavin. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de choses. On peut faire un atelier, une arène, un balcony, une taverne et une chambre de taverne. Donc, ça va être sûrement très prochainement très utile. Donc, j'avais dit que je voulais construire une petite bakery. Donc nous allons construire ça. J'ai envie de le mettre ici, mais les arbres me gênent. Bon, je vais le mettre ici, mais ce buisson me gêne. Je le mettrais bien là-bas, mais c'est loin. Bon, allez, arrêtons. On va mettre ça ici. Alors, il va me falloir une bakery table. Voilà, et un four. Ah, eh bien, il faut que je fasse une zone de maçonnerie. On va faire tout à côté de cette zone-ci. Non, pas un bon carving bench. C'est pas utile, c'est un mason's bench. Voilà, et donc pour le faire, il faut que j'aille chercher ici un stone hammer. Donc il n'y a plus qu'à attendre que le stone hammer soit fabriqué. Voilà, Fendrail Phantom le fait très bien. Vas-y, Fendrail. Il faut que je coupe les arbres. Voilà. Hop. Voilà. Et donc Fendrel va pouvoir finir mon marteau. Non, c'est Clifton Tourneville qui va me le finir. Ou Frédéric de Bernay, je ne sais pas. C'était Clifton qui a fini le marteau. Et donc maintenant, l'un des deux. Voilà, Clifton a fabriqué la table. Frédéric a fabriqué ceci. Nous allons fabriquer le baker's oven ici, et puis un second là et une seconde baker's table ici. Hop, ce n'était pas ça que je voulais faire, et nous allons pouvoir commencer à faire du pain. Et là, je pense que dès que ceux-ci vont avoir repoussé, je vais les. Est-ce qu'ils pourraient pas déplacer ces. Attendez, je vais essayer de rajouter. Une petite ferme à pommes par ici. Donc voilà. Ah, elle va manger la pomme. Ah non. Ah, ils ont déplacé mes pommes. Oui, je me demandais aussi où elles étaient passées. Donc, nous allons tenter de faire une deuxième ferme à pommes. Donc planting. Des pommes. Et d'autres pommes. Et voilà. Je pense qu'il va aussi falloir que j'agrandisse beaucoup la taille de ma ferme à bois très prochainement. Donc ici on va faire des barils. On va couper mes arbres. Donc là ils sont en train de récupérer toutes les pommes pour les transformer en petits champs. Est-ce qu'ils peuvent récupérer ces petits morceaux? Malheureusement non. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas. Oui, c'est pas du tout important d'ailleurs. Par contre, ça, il faudrait que je vais récolter d'autres fruits ici. Ah, ça y fait. Non. Et encore une fois, je n'ai pas du tout regardé quelle était l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner. Donc, on va faire un épisode d'un certain temps. Il va vraiment falloir que je pense à regarder ça un peu plus souvent. Maintenant j'en profite pour essayer la nouvelle version de Fraps qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui me permet de faire des choses sans découper mes fichiers. Et donc ce qui veut dire ne pas découper mes fichiers, c'est beaucoup plus pratique, ça m'évite de faire la même erreur que celle que j'avais faite dernièrement sur la V-Ville où j'avais passé deux fois la même partie de la V-Ville. Je m'en réexcuse, mais ce coup-ci ça devrait être bon. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 comme ceci. 1, 2, 3, 4 comme ceci. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer à faire des choses bien et de la nourriture qui nourrit vraiment son petit vitoyen. Donc là, oui, vous allez me dire que c'est pas du tout logique ce que j'ai fait, puisque là, si j'ai un siège qui arrive par ici, je me le prends directement dans le pif. Je sais, et on va espérer qu'il n'y ait pas de siège très prochainement, ou alors
eh bien vous allez avoir l'occasion de voir encore une nouvelle V-Ville. Et donc, j'espère que ça ne va pas arriver trop rapidement. Zut, je n'aurais pas dû mettre ces barils comme ceci. Eh bien, il va falloir que je reconstruise des barils. Nous allons reconstruire 6 ici. Voilà, ce qui fait qu'il va falloir que je récupère du bois. Donc là, il faut absolument que j'augmente la taille de la ferme à bois. Donc on va faire une ferme à bois ici, d'une taille un peu plus conséquente. Parce que là, il va vraiment me falloir beaucoup de bois et je n'ai pas envie de faire comme la ville précédente où il a fallu beaucoup de temps à chaque fois pour que j'arrive à régler mes problèmes de bois. Alors on désactive tout et on coupe encore un peu de bois. Allez-y, fabriquez-moi mes barils. Désactivez ces barils-ci pour qu'ils se concentrent uniquement sur les autres barils. Alors, planter un arbre, planter des arbres, planter des arbres, et j'ai mis des pins, et c'était pas une bonne idée. Ah, il y en a ici, j'espère qu'il n'y a pas de Froggy ou de Toddy dans le coin. Non, mais de toute manière, ils sont tous au niveau de la jungle, et la jungle est de l'autre côté de la carte. J'ai eu de la chance, et en même temps, il y a du cuivre, n'importe quoi, du coal, du charbon dans cette jungle, donc il faudra équiper mes petits vitoyens et que j'aille leur taper le pif. Donc on va casser de la grenouille, sûrement assez prochainement. Je ne sais pas quand encore, mais à une certaine date qui n'est pas si éloignée de ça. Alors oui, ça ne... je ne peux pas les récupérer comme ça, c'est ça, oui, il faut bien que je les fasse un par un. C'est peu pratique, mais s'il n'y a que ça, on ne mettra pas à jour. Et puis de toute manière, j'ai décidé que de ne pas les mettre à jour vers les prochaines versions pour eh bien, relancer la série, en fait, puisque là, il y a eu une petite pause, ça a repris hier d'ailleurs. Merci beaucoup du nombre de vues que vous m'avez fait une seule fois, c'est extrêmement impressionnant. Là, au moment où je le tourne, j'ai gagné déjà 6 abonnés, et c'est très impressionnant. Je vous remercie vraiment de l'intérêt que vous portez à la V-Ville. Revenons à la V-Ville. Alors voilà, ils remplissent mes barils. J'espère que Anne et Sadan sont en train de construire mes nouveaux barils ici. C'est excellent. Alors, on retire ce baril, on retire ce baril. Non, c'est pas encore bien ici non plus. Et vous voyez aussi la transparence maintenant est au curseur. C'est pas mal plus pratique. Et donc voilà, prepare food barrel. On récupère la fin des fruits ici. Pour le moment, mes vitoyens sont quand même très végétariens. Non, lui il est fait, il est fait. Mais maintenant, l'avantage c'est que je peux faire ça comme je le fais, donc avec des fermes, et c'est beaucoup plus pratique que précédemment où j'étais obligé de faire ça avec des... les trouver dans la nature, et je n'avais que le blé que je pouvais faire un petit peu à n'importe quelle vitesse. Donc là il n'y a pas grand chose, donc nous sommes encore pour le moment, nous sommes un peu en difficulté en nourriture. J'espère que ça va bientôt changer. Donc on va continuer à mettre des arbres. J'ai dû retirer tous les petits buissons de la carte. Est-ce qu'ils vont... Ah là 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 là, certains ont faim. J'ai peur d'en perdre certains. Est-ce que j'ai des fruits dans des barils? Non, là il n'y a rien. Là on va récupérer quelques fruits. Ah là 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 là. C'est problématique déjà dès le début. Et puis c'est déjà
c'est déjà l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. Je mets quelques petits ordres. Et voilà, ils ont récupéré la pomme et ils la mangent immédiatement, tellement ils ont faim. Et voilà, et bien sur ces petits morceaux de manger et de commencer à construire la vieille ville, il est temps de nous quitter et je vous dis à demain.